Coucou, bonjour à tous. Alors, comment vous dire que je suis content parce que après moult problèmes pour recevoir ma commande Temu, la voici enfin. Il était temps, j'ai commandé le 2 octobre hein, et on est le 24. Ça n'a jamais mis autant de temps. Bon, il y a un truc dedans. Alors, je vous mets comme ça parce que j'ai allumé le PC. Comme ça, je vous donne les prix directement. Ce qui me prend, me gagne, fera, on recommence. Ce qui me fera gagner du temps lors du montage, je ne devrai plus écrire les prix. Alors, en sachant que les prix que je vous donne, il y a toujours des réductions en plus, des réductions. Hein. Donc, voilà. Alors, je commence avec. Attendez, je regarde où est-ce qu'ils sont. Voilà. Alors, je commence avec une boîte de capsules. Alors, je vais retirer le plastique. La boîte, elle est très belle. Elle est toute noire, regardez. Avec. C'est un peu brillant, j'aime beaucoup. Alors, donc, c'est des carrés. Non, attendez. Je ne sais plus. Non, c'est des. Ouais, c'est des carrés, enfin à peu près carrés quoi. Non, ça, oh, n'importe quoi. Je regarde le bas. Non, c'est des arrondis. Je pensais que j'avais pris des carrés, moi. Ah mon Dieu, c'est pas grave. Donc, dedans, il y a 10, 11 tailles et il y a 550 pièces. Donc, il y a de quoi faire. Hein. Mais je suis déçu parce que je me suis trompé apparemment. Je voulais les carrés. Bref, c'est pas grave. J'en ai recommandé. Alors, ici, pour mettre mes produits, je me suis pris deux. Enfin, c'est par l'ordre de deux. Ah oui, je ne vous ai pas dit le prix des ongles, des capsules. Donc, c'est 8,97 euros. C'est pas cher pour autant de capsules, il y en a quand même 550. Alors. Ah, d'accord. Bien protégé. Alors, ils sont belles en plus. Alors, je me suis pris deux petits tube-tips pour mettre les différents produits que j'ai à mettre. Donc, elle se présente comme ceci, c'est rose. J'en ai pas moi, bien sûr, mais c'est rose. Donc, j'en ai pris, c'est par l'eau de Dieu. Et ça coûte 3,27 euros pour les deux. Ça, je mettrai du cleaner dedans aussi. Ensuite, un repose-toi, je pense que c'est comme ça qu'on appelle une pièce support de repos pour doigts. Donc, c'est pour poser le doigt. C'est des fois galère. Désolé pour le bruit. Comme je n'ai pas le temps de la faire plus tard, parce qu'après, je vais faire les courses. D'ailleurs, je vous fais un retour de course. Donc, vous voyez, ça se pose comme ça et vous posez votre doigt comme ça et c'est beaucoup plus facile. Donc, voilà pour la deuxième chose. Donc, ça coûtait 80 cents.
Ensuite, alors, je me suis acheté des éponges. Alors, c'est pour les paupières, mais pas que. Ici, donc ça s'appelle des brosses applicateurs, toutes basiques, hein, comme ceci. Tandis que, bon, mais moi, je ne m'en sers pas pour le maquillage. Je vais m'en servir. Donc, attendez, ça coûte 1,07 € et il y en a 30 dedans. Je les ai achetés pour ceci. Alors, même s'il y en a dedans, c'est pas grave parce que des fois l'éponge elle se barre donc c'est pour ceci. Ah, attendez, j'ai un truc dans mon dos. Alors, ça, c'est quoi? C'est de. Je vais vous montrer, on verra peut-être mieux si je l'ouvre. Oups, donc il y a trois trucs avec là. Donc, voilà quoi. Ouais, ouf, là, c'est lui. Alors, c'est pas pour le maquillage. Est-ce que vous allez voir la brillance? Pas trop, hein, comme ça. Alors, c'est. Alors, comment ils appellent ça? Holographic Nalar Glitter Poudre de paillettes pour ongles. C'est pour venir. Donc, vous devez en prélever et venir frotter sur votre ongle avec. Et ça coûte 3,14 €. Je me dis que c'est beaucoup plus facile de me donner les prix directement que de qu'après. Passer l'ordre. Alors, ici, je devais le retirer de mon panier, mais j'ai oublié. Alors, c'est juste, d'autant plus, non, c'est pas le même. C'est un stylo magnétique d'art, donc, pour les yeux de chat, pour faire les yeux de chat. Je vais vous expliquer pourquoi, de base, je l'avais pris, et pourquoi, après, de base, je devais le retirer, chose que j'ai oublié de faire. Alors, je l'avais pris tout simplement parce qu'il n'est pas le même déjà que l'autre que j'ai. Puis de ce côté-ci, c'est le même, mais de ce côté-là, ça fait comme ça. Donc, à savoir que ça, la façon dont l'aimant est mis, ça vous donne une autre manière de faire les dessins sur les ongles avec le vernis. Et ça coûtait 2,24 €. Voilà, je vous explique maintenant pourquoi je vais le retirer de base. Parce que je me suis commandé, c'est un lot de 15 pièces, Nalart aimant, bâton, outil, ensemble, aimant, plaque. Donc, c'est un lot. Voilà. Et voyez, toutes les plaques différentes. C'est des aimants qui vont servir à faire d'autres plein de formes différentes. Alors, vous voyez, celui-ci par exemple, il fera la forme cœur. Celui-ci, il fera cette forme-là. Comme ceci. Celui-là comme ça. Attendez. Je vais pousser un peu. Alors, le numéro 2, parce qu'il y a des chiffres derrière. Donc, c'est les phrases. Vous voyez, il y a des chiffres. Le numéro 2. Le numéro 6. Et c'est pour ça que normalement je vais retirer l'autre et que pour finir j'ai oublié de le retirer. Bon, c'est pas grave. Celui-ci fera des vagues. Le 9, oui,
Ça donnerait un style comme ceci. Le numéro 4, comme ceci. Et dedans, il y a deux autres aimants. Alors, on voit que... Alors, celui-ci, c'est le même que j'ai déjà. Mais c'est pas grave. Et celui-là, tout simple. Mais je crois que c'est pour ajouter... C'est très, très aimanté. Hein. Alors, il y a avec... Est-ce que c'est des aimants, ça? Je sais pas. Regardez. Donc, j'ai un outil comme ça. Ah. Alors, c'est en forme de fleur. Et là... Alors, je sais pas. Ah oui, c'est des aimants. Ça, c'est aimanté aussi. Ensuite, il y avait cet outil-là. Parce qu'il ne marque pas tout. Hein. Je vais regarder si c'est aimanté aussi. C'est aussi aimanté, donc j'ai un petit outil comme ça. Pointe. Tout est aimanté apparemment. Et ceci, ben c'est le même, sauf que c'est noir. Et après, en dernier, on a un comme un stylo, mais c'est pas un stylo, c'est trop bien pour faire différents dessins. J'aime beaucoup. Donc ce lot de 15 pièces était à 8,97 €. Je remets tout dedans parce que directement. Oui, c'est pas facile de remettre quand tout était monté comme ceci. Puisque tout, tout s'émonte les uns aux autres. Des prix 8,97 €. Ensuite, je me suis pris un lot de 30 pièces de c'est un Z forêt de perceuse à ongles qui coûte 5,39 €. Et dedans, il y a tout ce qu'il me faut pour faire correctement les cuticules. Attendez, je trouve ça tout parce qu'avec le papier, ça va briller, vous ne verrez pas grand-chose. Allez, vous avez des rouges, des jaunes, des bleus. Donc c'est super intéressant. Oh, désolé. D'accord. On s'est dit arrête de trembler avec l'écran, comme vous voyez. Alors, pourquoi il y a des couleurs rouges? Donc le rouge, je vous parle des bagues qui sont là, bleu, jaune et tout. En fait, ça dépend, ça fait le grain. Le rouge, c'est un peu plus fort. Le bleu, je crois que c'est moins fort, le jaune aussi. Voilà, ça dépend. Ça dépend, voilà, la couleur, elle sera ça. Ensuite, donc, je vous ai dit 5,39 €. Ensuite, je me suis pris un lot de têtes de meulage cylindrique. Alors, dedans, il y a 76 pièces. Il y a des 80, des 120 et des 180. Donc c'est pour toujours pour faire les ongles. Voilà. Ensuite. Ah oui, et ça c'était 5,28 €. Ensuite, je me suis pris un lot de 10 brosses à ongles. Alors moi, vous pouvez prendre, il y avait plusieurs sortes, vous pouvez prendre soit 10 roses, soit 10 bleus. Et moi, j'ai préféré le mélange. Donc, je crois que c'est par deux couleurs. Deux brosses de chaque couleur. Ouais. Sauf les roses, il y en a quatre.
Et les 10 brossards m'ont coûté 1,97€. Donc, autant vous dire, rien. Ça fait même pas 50 centimes la brosse. Je vous en montre une. Alors, elles sont pas grandes, hein, parce que c'est fait exprès pour retirer la poussière. Vous voyez, alors ce qui est bien avec ces brosses-là, c'est que vous pouvez la mettre ainsi à votre doigt, faire avec la ponceuse et en même temps venir frotter, voilà, les poussières. Donc c'est super bien. Donc je vous ai dit 1,97€ pour les 10. Les couleurs sont magnifiques. Ensuite, je crois qu'il reste deux choses. Alors ici, c'est un coffret de vernis à ongles. Attendez, combien est-ce qu'il y en a dedans? Il y a... attendez. Combien y en a-t-il? 10 plus 2. Voilà, alors si je me rappelle bien, c'est de la marque. Pourquoi de marque pas alors? Lying Girl, je crois. Alors, c'est beaucoup dans les tons verts parce que c'est une couleur que je n'avais pas. Donc, attendez, parce qu'en même temps, on a de la poudre holographique comme ça, magnifique. Et le coffret se présente comme ceci. Alors, il y a 10 couleurs, si je ne dis pas de bêtises, 2, 4, 6, 8, 10, et un top coat et une base coat. Ouais, exactement ça. Alors, ce que je vous ferai, pour que vous voyez les couleurs, et ça sera dans une autre vidéo, ce que je, c'est, du coup, je n'ai pas regardé la marque. Oui, c'est la Lime Girl. Ce que je ferai, c'est que je les mettrai... sur mes palettes, hein, enfin je sais plus comment on l'appelle, et je vous montrerai les couleurs. Ça sera beaucoup plus facile que de vous les montrer comme ça. Ah oui, je vais remettre le truc holographique qui va avec. Je crois que là c'est la dernière chose. Ah oui, et ça coûtait. Alors, chaque fois j'oublie de vous donner les prix. Alors vous voyez, quand on clique dessus, il marque le prix à 15,70€. Ouais, je crois que c'est ça, 15,74€. Ah ben non, moi je les ai eu à 15,29€. Et quand vous cliquez dessus, c'est marqué 15,74€. Vous voyez, on a toujours un petit peu de réduction. Donc 15,29€, j'ai payé pour les 10. Alors ça, je regarde en même temps si j'ai tout eu. Donc ça oui, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Voilà. Et en dernier, la chose la plus grande. Alors c'est, je vais vous montrer. Hop. Mon cutter. Ouais, faut que je vous fasse aussi. Alors, ça s'appelle comment ils appellent ce... C'est des étagères à ongles, pour mettre les vernis à ongles en acrylique. Moi, j'en ai commandé 4. Alors, normalement, c'est transparent. Donc, il doit avoir, à mon avis... Est-ce qu'il y a des trucs... Ouais, je regarderai ça de toute façon. Ouais, ils sont transparents. Il faut juste retirer. Vous voyez, donc ça se présente comme ça. Vous avez les... pour mettre au mur. Hein.
Et vous avez tout à plat là, donc une longueur comme ça, pour mettre. Ah bah oui, regardez. Donc il vous montre bien ici qu'il faut retirer le film plastique. Et là, vous avez votre étagère transparente. Alors j'en ai commandé 4. Alors ça a été par deux, soit un lot de 2, soit un lot de 4. Soit un lot de 6 ou un lot de 8 ou un lot de 12. Là, moi, je me suis contenté de 4 pour le moment. Parce que déjà, pour 4, ça coûte 12,99 €. Donc, voilà, c'est pas... Et alors, vous avez les séparateurs ici pour mettre à la fin. Parce que vous voyez, il y a... pour ne pas que les vernis aillent glisser et tomber. Et vous avez des sachets comme ceci pour venir les attacher. Donc il y en a 4 puisqu'il y a 4 étagères. Voilà. Et ils mettent le montage. Ils mettent le montage avec. Tout facile. Devant et derrière. Voilà. Ah, et ça, donc je vous ai dit 4 €, 4 €, ça aurait été bien. Alors j'en aurais pris 12 directement. C'est 4 pièces pour 12,99 €. Voilà, mais je suis contente de l'avoir eu. J'ai eu discuté beaucoup, beaucoup avec, avec Timu. Bon, eux, ils sont pour rien. Hein. Faut, moi, je ne leur en veux pas. Eux, ils sont pas pour, ils sont pour rien du tout. Alors, comme ils ont été en retard, puisque je devais être livré entre... je ne sais plus, attendez, je remonte. Je devais être livré entre le 8 et le 16 octobre. On est le 24, donc la date est dépassée hein, depuis longtemps. Donc du coup, je crois que c'est le 17 ou le 18 octobre, ils m'ont mis 5 € de réduction. Pour ça, ils tiennent leur parole, donc c'est super. Et d'ailleurs, ce qui est bien, donc, c'est qu'ils vous mettent 5 €. Vous les voyez, quoi, ils sont mis. Hein. Et sur la deuxième commande que j'ai passée, mes cadeaux d'anniversaire, eh bien, ils retirent directement les 5 € que vous avez pour, pour les prochaines commandes. Et ça, c'est super. Donc, moi, je recevrai donc, ma deuxième commande ici. Je dois la recevoir entre le 26 octobre et le 6 novembre. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, donc, j'ai discuté beaucoup avec eux du problème de colis privés parce que c'est pas la première fois. Bon, là, ça a pris, c'est la première fois que ça prend tant de temps. Mais ça m'a déjà arrivé de ne pas recevoir de colis. Ça m'est arrivé une fois, de ne pas recevoir mon colis du tout. Donc, ici, je dis, écoutez, moi, ça commence à bien faire. Je n'ai pas confiance en colis privé. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas livrer par la poste? Et elle me dit, bah, en fait, ça dépend le colis. Maintenant, il est un peu trop tard, de toute manière. Et du coup, la commande que j'ai passée, la dernière commande que j'ai passée, elle va m'être envoyée par la poste. Et ça, c'est bien. Parce que je sais que ça sera nickel. Donc, mais voilà, écoutez. Alors, j'ai déjà reçu une partie de mes cadeaux. Alors, les cadeaux qui viennent d'Amazon, en fait, c'est, à part un truc que je me suis offert moi, tout le reste... C'est le parrain de Kylian qui m'a donné, il m'a dit, écoute, je te donne 100 €, tu te fais plaisir. Et il me dit, c'est pour toi, c'est pas pour acheter de la nourriture, c'est pas pour acheter, payer tes papiers, tu te fais plaisir. Je me suis fait plaisir, donc j'ai passé une commande pour 100, bon, j'ai dépassé 113 € parce que je me suis offert un truc que vous verrez jeudi, parce que j'ai déjà reçu une partie aujourd'hui, j'en reçois encore demain et j'en reçois le restant jeudi.
Et ça tombe bien puisque c'est le jour de mon anniversaire. Donc, je vous montrerai tout ça jeudi. Une commande, donc, du coût de 113 euros. 100 euros qui m'a été offert par Francie et 13 euros que j'ai mis de ma poche. 13 euros, ça va, c'est pas la mer à boire non plus. Voilà. Mais écoutez, on se retrouve tout à l'heure pour le retour de course. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Ouais. Oui, je vais juste vous dire que demain, je vais aussi. Donc, j'ai Ethan pendant la semaine de congé scolaire. Hein. Ethan est avec moi. Donc, comme ça, il va venir avec moi aujourd'hui faire les courses. Demain, je vais aller faire. Il y a le marché. Donc, je vais aller avec lui au marché. Ça le fera sortir. Et moi aussi, parce que je vous dis pas. Je ne sais plus il y a combien de temps que je n'ai pas mis le nez dehors. Donc, je vais aller faire un tour au marché. Et je dis, ben, je vais à Action parce que ça fait 2 mois que je peux être à Action, je pense. Un mois et demi sûr, 2 mois peut-être, je ne sais plus. Donc, voilà. Et en même temps, j'ai quelques trucs à acheter pour le gamin. Donc, ben, voilà qui, voilà, inspecteur gadget. Tu m'attraperas pas. C'est Norabelle. Norabelle qui a aigri. Allez, t'as aigri, Moi aussi j'ai Laura. aigri. Pourquoi? Hein? Je te dirai après. Et t'as pas été chercher ma boîte de Ah si, tabac? mais elle est par là, mais Ah je oui, crois qu'elle maintenant il est. faut qu'elle reste ici, sinon tu vas tout faire. Et pourquoi t'as pas pris 20? Que tu m'avais dit 10. Non, je t'ai dit 20. Moi d'habitude tu me prends Aller-retour, 10 et tu me Laura, prends au il faut magasin. 20, hein. T'as écouté? Oui, mais je t'explique pourquoi je te montrais 20. Comme ça, j'avais pour aller et revenir. Et à Lidl, j'aurais demandé qu'il fasse plus 20 pour moi demain, Mais tu pour moi diras aller plus 40 au lieu de 20. jeudi aller au marché. Non, jeudi à l'Action. Demain, je vais au bus, oui. Il faudra de la monnaie pour moi demain aller au bus. Ou une carte de bus. Tu prends jamais le bus. Ben, pour moi, Tu là. prends mes cartes de bus et elle va être expirée avant que tu aies pu utiliser la moitié des voyages. Ouais, bah alors, il faudra courir dans mon œil, donc il faudra retourner chercher dans mon œil. Voilà, bref, écoutez, je Ouais, vais ça vous va. laisser là. Je vais mettre la vidéo en ligne. Après, ben, tout à l'heure, vous aurez le retour de course. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous fais à tous ces gros bisous. Je vous souhaite de passer une excellente après-midi. Et je vous dis à tout à l'heure. Bisous, bisous.